salle JP à la FIA de Godomé a accueilli ce dimanche 22 août 2022 les ressortissants de l'arrondissement de Dianglamin, département du Mono, résidant à Cotonou et environ, avec à leur côté leur frère et aîné, l'honorable Dakwa Sossou. Ses filles et fils de Dianglamin ont communié dans une ambiance conviviale. C'est pour qu'on soit ensemble, pour construire notre village. Dianglamin, qui n'est pas loin de Cotonou. Nous sommes à peine à moins de 70 km de Cotonou. Mais les gens ne nous connaissent pas. C'est à travers ces œuvres-là que les gens doivent nous connaître. Et pour cela, je remercie tous ceux qui, de loin, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette rencontre. Dianglamin, l'expérience a montré que quand on crée quelque chose, ça ne dure pas, c'est quelques jours et puis ça disparaît. Mais nous sommes en train de faire notre petit chemin, nous sommes en train de faire 3 ans. 3 ans, c'est beaucoup pour nous, parce que quand on a commencé, on ne savait pas qu'on allait faire même 1 mois. Mais petit à petit, avec les difficultés, nous sommes en train de faire 3 ans, fin de mandat, c'est une action de grâce. Nous disons merci au Seigneur, merci pour tout ce qu'il a fait et merci à chacun de vous, parce que c'est vous qui avez œuvré. C'est grâce à vous que nous sommes à cette étape aujourd'hui. Je demande la bénédiction de Dieu sur chacun de vous, sur chacune de vos familles, afin que vraiment, ce que nous avons commencé, nous puissions poursuivre et aller plus loin. Alors, pour terminer, je voudrais nous exhorter, comme nous avons l'habitude de le faire, nous exhorter à l'amour, nous exhorter à la fraternité, nous exhorter à l'unité, parce que si nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Si nous sommes ensemble, nous pouvons faire beaucoup de choses. Alors j'exhorte chacun de nous, chaque membre de l'amicale, chaque responsable et chaque tous ceux qui peuvent nous aider de s'unir pour que le nom de Dianglamin puisse aller loin. En 3 années d'existence, l'amicale des ressortissants de l'arrondissement de Dianglamin, résidant à Cotonou et environ, compte à son actif plusieurs réalisations. Je voudrais profiter de cette occasion pour adresser mes plus sincères remerciements à votre amicale pour la qualité de l'appui dont bénéficient certains groupes cibles de notre population à travers de diverses initiatives. De cette tribune, je voudrais informer tous les membres de l'amicale que le conseil d'arrondissement et l'association de développement de notre arrondissement ont entrepris des démarches pour le tracé des voies dans les zones du village de Bédi. En effet, nous sommes rendus compte que sans cette opération, les domiciles de beaucoup de nos concitoyens seront enclavés et par ricochet, ils n'auront plus d'accès à l'eau potable et à l'électricité. Pour ce faire, nous avons besoin, une fois encore, de votre soutien afin de sensibiliser nos parents à adhérer à cette initiative de développement. Dans cette même veine, le Conseil sollicite votre appui pour la sensibilisation de nos parents et surtout de la jeunesse contre les grossesses en milieu scolaire et le développement de fumoirs dans certaines localités de notre arrondissement. L'hôte de cette rencontre, un bon cotafon, prenant la parole, déclare. Nous avons
jangla meton bonya zobena wabo mi sede minablo sanre makonyo mi yande. Nendo campagne wa mi teo na doko rokonami he magaro campagne yande na dona mi kombo do de minenywe do muhein benawaru janglame benazi janglame osu manaso grand propos sou manaso monokame so soude mi ka besoin manaje taba mi do ame bo e na kan wezuno ki donami yegbe o député a ton wè mono kamendo parti de voler wè non patché na yeda yi a mo diyon parti a wè patché na député a ton nele bo député a ton nele do pripo c'était pour la première fois wè do jeo voyez mais à ton élève de Bepo, voyez mon homme est vicédé, comment ouais, grand popo ouais, locosa ouais, bukpa ouais, koyogbe ouais, mais bien du po, nous créons mon nom comme étendé, minablo. Les prestations d'artistes ont meublé cette réjouissance des filles et fils de l'arrondissement de Djanglama, résidant à Cotonou, qui, au-delà d'être un festin, était aussi une occasion de réfléchir au développement de leur localité.